Tu me dis, ouais. Richard, merci de nous recevoir ici dans ton hôtel à Nîmes pour cette tournée des Insus et pour cette interview. Et commençons directement par ma première question. Quel est ton rythme préféré? Mime-le-nous. Mimer? Oh la vache. Je sais pas, j'ai pas vraiment de rythme préféré. Là, ce qui me vient, c'est... C'est la chanson de téléphone que tu préfères jouer et pourquoi? C'est difficile à dire, c'est tous les jours ça change. Disons qu'il y en a une que j'aime beaucoup, elle s'appelle Les Dunes. C'est pas la plus connue, c'est sur le dernier album de téléphone. Et je sais pas, je... C'est le pulse qu'il y a derrière, c'est... Non, je... C'est une drôle de chanson qui a plusieurs rythmes en... Voilà. D'accord, riche en rythme. Moi je fais toujours le même. D'accord. Mais c'est les autres, c'est mes petits camarades qui changent les rythmes. Excellent. Tes trois batteurs préférés français par exemple? Oh non, je vais pas les dire. Je ne voudrais pas blesser. Ils sont susceptibles. C'est une profession très susceptible. Mais il y en a plein. Bon, et si on passait aux internationaux alors? Ils sont susceptibles encore plus. Non, il y en a moins. Franchement, tous les batteurs m'intéressent, tous, même les mauvais. Est-ce au qu'il moins y en a les qui... mauvais, ils montrent ce qu'il faut pas que je fasse. D'accord. Et puis les bons, bah voilà, j'essaie de m'inspirer d'eux. Oui, il y a toujours quelque chose. J'aime beaucoup les batteurs débutants aussi. D'accord. Par rapport parce à que... leurs impulsions. Oui, parce qu'ils font des choses que je ne sais plus faire. D'accord. Donc ouais. J'essaie de. Voilà, d'être un éternel débutant. Une phrase philosophique. La sortie est au fond de l'espace. Waouh. Bonne chance. Et le disque que tu écoutes le plus actuellement? Oh, le disque que j'ai... Je crois que c'est Nine Inch Nails en ce moment. J'adore ce groupe. Mais je peux pas te dire d'album parce que j'écoute pas un album en particulier, mais j'aime beaucoup ce groupe. Ce type est un génie et leur concert, c'est hallucinant. Mais j'aime beaucoup aussi Arctic Monkeys, j'aime beaucoup tous les projets de Damon Albarn. Voilà. Est-ce que tu aurais un petit truc de batteur que tu pourrais partager par exemple avec nos auditeurs? Mais je suis pas batteur moi, je suis un ambianceur. Non, les trucs de batteur, il faut demander aux batteurs professionnels, genre André Ceccarelli, lui, il devait avoir des trucs, vraiment des trucs à mon... Moi, je suis un ambianceur, voilà. Je m'éclate, je suis là pour m'éclater et essayer d'éclater les autres. D'accord. Les trois caractéristiques qui te semblent être vraiment pertinentes par rapport au cymbal paste et qui te plaisent? J'ai toujours joué sur paste. Les cymbales paste, j'ai l'impression de faire de la pub. Ah mais c'est de la pub. Bon alors, voilà, les cymbales paste, c'est... Franchement, après, toutes les cymbales sont bonnes. Mais les paste sont encore meilleures que les autres. Je sais pas, elles correspondent à mon style de jeu. Et j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé, j'aime bien le... C'est une symphonie. La paste est une symphonie à elle toute seule, voilà. C'est... Je sais pas, j'adore ces cymbales. Si tu avais un super pouvoir? Un super pouvoir, je supprimerais tous les coups. Waouh. Mais malheureusement, je n'ai pas ce super pouvoir. Ton actualité? Ah bah là, en mon actualité, bah je suis avec mon jeune groupe, les Insus. On vient de débuter et ça marche, ça marche énormément. Allez savoir pourquoi. Ton gros mot favori? Mon gros mot favori? Oh mamma mia. Ben voilà. C'est pas un gros mot. T'as pas pris beaucoup de risques là. Non, il y a des enfants qui nous regardent. Eh bien écoute, merci pour... Mais c'est fait d'un plaisir. C'était un plaisir pour nous aussi. Et bon concert ce soir alors. Ben, on va essayer. Merci à toi.
Je sais pas, je savais pas trop ce qu'il fallait que je regarde.